Sa deck dévoilée. Alors, mais les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, la famille, tout se passe bien pour vous, les amis. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de dingue, mon pote. Booba qui clash sa deck après son interview avec lui-même. Arrête de jouer le dédoublement de personnalité. Vous allez comprendre, les amis. Vous allez comprendre, si vous ne comprenez pas. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Interview de lui et son ancien lui, Booba le termine. Tadek fera son grand retour dans le game le 27 janvier prochain. Le rappeur va dévoiler son tout nouvel album, qui s'intitulera Changement de propriétaire. À cette occasion, Tadek a dévoilé hier une longue format auto-interview, dans laquelle il discute avec l'ancienne version de lui-même. Un concept très original avec lequel il a débordé de nombreux sujets, ce qui a énormément plu à ses fans. Mais Booba n'a pas raté l'occasion pour piquer Tadek. Le TUC a partagé une story dans laquelle il termine son ennemi juré. Booba il a dit, Miskin il croit qu'il va s'en sortir en jouant le dédoublement de personnalité. Crois-y fort, décidément Booba ne rate rien. Booba, je vous ai dit, je le dis à chaque fois, il s'en fout de qui est en face de lui. Ah, ça rigole, bro. Tu es qui pour l'arrêter? Fais juste un faux pas, lui va te niquer, il va rentrer en clash avec toi. C'est ce qu'il kiffe. Les gens, après, se plaignent. Ouais, Booba, il m'attaque, il me fait ci. Lui, il est posé, tranquille chez lui. Il gère ses affaires, c'est ce qui le fait marrer, bro. C'est ce qui le fait marrer. Il doit être dans les news. C'est ce qui le fait marrer, les amis. Ah, ça, regarde, bro. Après ça, il laisse tomber. Le téléphone, il va faire ses vraies affaires. Là, ici, il taquine les gens. Il nique bien les gens, man. Tadek revient sur son clash avec Letou. Il a lui envoyé un message. Après une année 2022, durant laquelle il s'est fait très discret, Tadek revient en force en 2023. Le rappeur a annoncé l'arrivée de trois projets pour cette nouvelle année. Le premier opus de la liste sortira le 27 janvier prochain. Le projet s'intitulera Changement de propriétaire. Pour faire patienter ses fans, Tadek a répondu hier à quelques questions de ses abonnés, dans un FAQ improvisé sur son compte Instagram. Interrogé sur la possibilité de collaborer avec Letou, dans un avenir proche, Tadek a déclaré « J'espère je me suis mal comporté avec lui, mais dans mon cœur ça restera toujours mon frère. » Pour rappel, Tadek s'était clashé avec Letou il y a quelques temps déjà, sur un feat dans le projet de Letou, qui s'appelle Mozart Capitaine Jackson. J'ai pas suivi ce clash, I don't know bro, qu'est-ce que c'est? Alors, mais les amis, on a le fin de cette vidéo de Wikipoc, bro, des grands innovateurs, les amis. Je sais pas ce qui s'est passé sur Booba et sa deck, ah, c'est le god, bro, mais je pense qu'ils sont en clash depuis. Ouais, it is what it is, les amis, life is life.